les traits d'avant, mais on note aluminium d'abord et en énergie, je suis pas. Ouais, je suis bien, je suis bien, je suis bien. On va juste attendre que le pic là qui est descendu. Ouais, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais si l'aluminium je augmente là, pourquoi? D'un seul coup là. C'est parce que j'ai une hausse d'un seul coup. C'est pour ça. Ok, d'accord. Excusez-moi, faut que je pousse un coup. Voilà. Attendez, j'ai une commande là rapidement. Des chaussures. Ça va arriver, c'est juste que j'en consomme un peu. Ok. Donc les chaussures, on avait fait. Le plastique, généralement, le plastique. Plastique 93, hein, c'était ça que je voulais voir. Ouais, je peux monter jusqu'à 314. Donc le plastique. On va investir dans du plastique. Jusqu'à 314, hein, j'ai dit. Sera plus rentable après. Hop. Alors je sais que vous voyez pas le menu là qui défile, mais en gros c'est un menu déroulant et voilà, je sélectionne le plastique et je vends pour 8 billions. Voilà. Sachant que le plastique, ouais, je suis en surproduction de plastique depuis le début. Hein. Le plastique n'est vraiment pas un problème. Tac tac tac, si je regarde là. Bon là je suis tombé à zéro mais voilà je suis à plus 5K par seconde, voilà je suis en train de refaire déjà un stock conséquent. Donc en vrai je pourrais même en vendre sans faut m'en acheter régulièrement. Et ça peut me faire une petite rentrée d'argent tant que l'offre est ouverte. Faut que je regarde, pour du gaz naturel, je peux certainement. Faut que je vois. Gaz naturel, je suis à 70. Oui, mais j'en ai besoin du gaz naturel. J'en ai besoin parce que quand je suis dans la sauce, question carburant, question pétrole raffiné, je passe au gaz naturel et ça me permet d'avoir un. D'économiser. Voilà, ça me permet de remonter en pétrole brut temporairement. Je vais regarder pour le bois. Je vais regarder pour le bois si jamais. Non, c'est pas là, c'est là. Si pour le bois, ça vaudrait le coup. Ouais, d'accord, il n'y a rien. Pour le fer, ça monte à combien? Ok, le fer, il n'y a rien de rentable. Ah, j'ai quand même regardé pour le gaz naturel, hein, parce que. Oh, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Le gaz naturel ne vaut clairement pas le coup. Les guitares. 2,5K, c'est combien à la base de la guitare? Oh, je suis à 1K, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. On va regarder rapidement. Hein. Circuit intégré, tatata. La dynamite. Alors là, parce que j'en ai pas beaucoup, mais
2,4K, c'est pas dégueulasse. Non, oui, si, 2,4K. Pour la dynamite, faudrait qu'on regarde. Pour la dynamite. Oui, ça peut valoir le coup d'en acheter un petit peu. Ah, mais ça monte très vite la dynamite, c'est ça? Oh là là! Oh là là! Ça n'a pas été rentable du tout de le faire pour le coup. Parce que le prix est monté très très vite de la dynamite. Mais par contre, résultat, je peux arrêter de vendre des robots pour de la dynamite. Et vu que je peux couper mon unité de robots temporairement, ça me fait des économies même pas. Oui, si, d'acier. De piles un peu, d'alu et de semi-conducteurs surtout. Les semi-conducteurs, je galérais à un moment. Donc c'est pas plus mal de l'arrêter pour le moment. Alors, le silicium. Le silicium à 61. Le silicium peut être intéressant, je pense. Il a 61, je peux en vendre jusqu'à 217. Suis bien en silicium ou pas par contre? Non mais je suis pas bien en silicium en vrai. Donc aluminium c'est bon, mais silicium ça va pas. En vrai, en silicium, je suis dans la sauce, donc non. Propergol. Tiens, d'ailleurs, du propergol. Ouais, mais je suis déjà à 1,5K de base d'achat, donc non. Des vêtements. Des vêtements, faudrait voir. Vêtements, verre, charbon. On va regarder à ça. On va commencer par le charbon. 300... 365, machin. Ouais, c'est pas vraiment rentable en vrai. En vrai, c'est pas vraiment rentable. Peuvent être rentables jusqu'à 2,5K les guitares. Putain, mais pareil, c'est monté tellement vite. Ok, d'accord, ça n'a pas été rentable du tout de le faire. Peut-être qu'un achat par 1 million, c'est pas une bonne idée. Pour les produits transformés comme ça, je devrais acheter 100K par 100K. Ça serait plus rentable. Bon, c'est pas grave, on a 10 millions. Bon, j'ai fait un peu tourner l'économie, on va dire quoi. C'est ça le truc. J'ai dit dans le silicium, on était dans la sauce en silicium. Mon propergol, je peux le couper.
C'est difficile à dire. Ça semblerait augmenter. De toute façon, j'ai plus de pognon. Bon, on va passer au... Bien, tac, tac, tac. Voilà. On va passer au suivant. On va passer au suivant. De la fibre. Social, social, livre. Les livres, j'ai vu que ça se vendait. Hein. L'artillerie. L'artillerie, il me faut de l'acier et de la dynamite. Bon. Studio de vidéo. Les vidéos, j'ai vu que ça se vendait. Après, j'ai vu qu'il y avait ça. L'explorateur de ressources permet d'extraire des ressources d'un carreau vide. Allez, hop, on va prendre ça. On va prendre ça et on va prendre la vidéo. Hop. Alors, on va commencer par l'explorateur de ressources. Explorateur de ressources. On va mettre là, par exemple. Je tente, hein. Franchement, je tente, je sais pas ce que ça vaut. Et je sélectionne la ressource que je veux qu'il exploite. Ah, d'accord, ok. C'est toujours dans la sauce au niveau du charbon. Le fait d'avoir dépassé, ce n'est pas grave sur le long terme, étant donné que ça se vend, si vous voulez. Le fait que ma dynamite, par exemple, le fait que le prix ait explosé, c'est pas grave parce que je peux, évidemment, si voilà, si j'en produis, je peux en vendre. Je regarde pour mes moteurs. Ce délire. Oh, moteur, je suis en augmentation. Ok, d'accord. Alors pourquoi ça? Alors pourquoi ici ça déconne? C'est l'acier, c'est l'acier, c'est toujours l'acier, hein. C'est toujours l'acier mon problème. Ah oui, j'ai fait une autre aciérie ici, hein, d'ailleurs. Je manquerai de fer. Exact. Bah pourtant j'en ai en stock, hein. C'est pas trop le problème, mais alors là, le truc, c'est que j'ai l'impression que j'ai des problèmes, c'est d'approvisionnement. C'est vraiment mon approvisionnement.
Et dans ce cas, le problème vient surtout en fait du fait que mes entrepôts n'ont pas assez de débit. Ils importent pas assez. Ah oui, j'ai fait une autre papeterie ici en fait, plus proche de. Voilà, plus proche là, parce que c'était. Voilà. Et d'ailleurs, le papier résultat, je l'importe ici, hein, il me semble. Non, je l'importe pas. C'est quoi que j'importe de l'entrepôt là-bas? Non. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là. C'est du bois. Eh ben non. Sur le papier. Voilà. Le bois, il va transiter par là, c'est plus simple. Ah, allez, hop. Et lui passe niveau 20. Comme ça, il a un meilleur débit. Hop. Ah ouais. Bon, le fer est un souci. On le saura. Le pétrole est pas ouf non plus, mais ça, comme toujours, le charbon, j'ai des soucis. Le charbon, j'ai des soucis. Tac, tac, tac. Donc, des soucis de charbon, surtout. Mais je peux plus rien faire. J'ai plus de pognon. C'est ça qui est chiant aussi. J'ai plus de pognon. Je sais plus trop quoi faire là. Peut faire ça. Et puis donc aller le chercher quoi, mais je me dis pas que ça a résolu le problème. Ouais, non, 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 ça l'a pas résolu. Que j'étais en augmentation là, puis je suis de nouveau en diminution. Bon, on avait un autre bâtiment que j'avais débloqué, c'était la vidéo. On va partir là-dessus. Le studio de vidéo. Qu'on va produire. Alors qu'est-ce que ça demande? Appareil photo et mode. En vrai, ici, résultat, c'est pas con. Sauf que les appareils photo, j'en vends, hein. Ouais. Oh, ça vaut pas grand-chose. Pour le moment, ça vaut pas grand-chose, donc on va désactiver. Par contre, vidéo 3K. Et ça se vendait combien sur le marché? Ouais, 3K, c'est énorme, hein. Mais ça se vendait combien sur le marché? 4K. Ah, ça vaut pas le coup. Ah, de l'acier, de l'acier. Hop.
Voilà. Ouais, acheter un petit peu d'acier, ça va résoudre le problème par contre. Et là, par contre, l'acier, résultat, hein, si je regarde. Ouais, c'est parce que ça a chuté masse, hein, c'est juste. Là le stock il a augmenté d'un million d'un seul coup, c'est pour ça qu'on a un énorme mur, mais quand le mur va arriver ici on va voir la diminution. Ça va être violent. Les soucis d'énergie. Donc je rappelle que j'avais une autre idée, hein. Je peux la faire là, par exemple. Tout la faire là. Hop. Ah. Ah, j'ai pas de. Attendez, attendez. Est-ce que. C'est quoi ça? Ok. C'est une batterie abandonnée. Hop. Voilà. Donc, c'est là. Hein. C'est à côté. Ça sera des trucs à gaz. Voilà. Falloir une batterie. En vrai qu'il n'y a que ici où ça vaut vraiment le coup, hein. Bon, le problème c'est qu'il va falloir que je libère encore un bâtiment. Donc soit j'en supprime un. On verra. Ah oui, alors polytechnique, je m'en sers pas. Donc je me dis que je pourrais très bien m'en séparer. Vu que je m'en sers pas, hop, on va plutôt mettre une batterie ici. Ce sera plus avantageux. Voilà, là on a résolu nos problèmes d'énergie. Ça va, c'est pas trop encore un problème à gérer ça. Alors, les appareils photo ne volent plus le coup face aux jouets. Et est-ce que je vends de la mode? Je vends de la mode. Donc on va laisser les appareils photo augmenter. Simplement. Alors, le propergol et la gasoil, je ne produirai pas. Je produirai seulement avec le gaz. D'ailleurs, le gaz avec ma nouvelle centrale, est-ce que je suis toujours bon?
Excusez-moi. Je suis visiblement toujours bon avec le gaz naturel. Bâtiment suivant. Il y avait les fibres. Ça demande du verre et du plastique. Ça coûte pas encore extrêmement cher. Hop. De la fibre. De la fibre. J'ai dit verre et plastique, hein. Je peux mettre juste à côté de mes entrepôts. Alors, je peux mettre un petit peu en dessous par contre. Parce que ce sera peut-être mieux. Hop. La question c'est est-ce que c'est rentable ça? Les jouets et l'appareil photo, ça se suit, on va dire. Hein. La fibre, au résultat. Ah, mais c'est pas vrai, les jouets sont passés devant. Ouais, ils sont quasiment à égalité. Allez, on va laisser les appareils photo, c'est pas grave. Hop. La fibre, je voulais voir. 3000 unités. Ok. Et sur le marché, ça vaut combien ça? Non. J'ai cliqué sur fer là, pas sur fibre. Ouais, 2,4 corps. Ok. Alors aussi, ce que j'ai vu. Voilà. On a parfois des offres comme ça. Qui sont pas énormes hein, généralement mais qui sont avantageuses financièrement à prendre. Donc ce genre de truc, hop, on faut regarder régulièrement, d'en demander, voir s'il y a des offres qui sont ouvertes et qu'on peut prendre. Donc la fibre, on va laisser comme ça, on produit pas x10. Parce que résultat... Ça se vend pas de ouf. Si jamais on a besoin, on augmentera. Si jamais on a besoin. Alors... Bâtiment suivant. On découvre, hein, franchement, on explore. On explore et on va dire les livres. Le siège social ne m'intéresse pas. Je dis tout de suite, on peut le prendre, hein, mais c'est comme Polytechnique, ça servira pas. On a les radars, l'artillerie. J'ai dit que l'artillerie pouvait être avantageuse. Donc on va regarder pour l'artillerie. Évidemment, près de l'usine de flingue, hein, je suppose que. Arme à feu, acier, ouais, acier et dynamite. Du coup, on va peut-être plutôt la placer là. On est plus proche de la dynamite. Mais là, faut que je produise des armes à feu en plus, quoi. L'artillerie est rentable. L'artillerie, c'est rentable. Ok.
Alors l'artillerie, ça coûte 5,6K sur ici. Et si je regarde sur le marché. Ah ouais! Ça peut monter jusqu'à 25K. Ça peut monter jusqu'à 25K. Alors cette fois-ci, on va pas faire l'erreur par contre. Mais on va augmenter le prix. Alors. Évidemment, hein, pour le moment, voilà, c'est. J'ai peu de pognon pour pouvoir faire travailler, hein, mais. Ça va être un petit peu long. Ça va être un petit peu long, je vous le cache pas. C'est pas possible. Oui, mais j'exporte en même temps, donc évidemment, ça va pas. Surtout falloir que j'augmente la prod. On le fera quand on aura un peu plus de. Attendez, hop. J'ai pas l'impression de rentabiliser. On va voir. Pour moi, on rentabilise très peu. Faudrait soit qu'on ait plus d'argent pour vraiment acheter en grosse quantité, soit voilà, soit. Bon. En tout cas, on le sait, voilà. Et puis, de toute façon, ça augmente quand même le prix. Donc, de toute façon, on sera rentable sur le long terme en faisant cette stratégie-là. Parce qu'après, si je dis. Ouais, dans 40 minutes, le marché est réinitialisé. Bon, on va attendre la réinitialisation. Mais on va établir cette stratégie-là, je pense, assez rapidement. Alors. Bâtiment suivant. Les livres, les radars. On a les chars de combat, mais il nous faut plus d'artillerie. On va laisser faire. Pas de soucis. Allez, on va dire les radars, il nous faut quoi? Aluminium, semi-conducteur et piles. Ok, et sinon, éditeur de livres, il faut du papier et du charbon. Allez, hop. On va plutôt partir sur le livre. On va plutôt partir sur le livre. Sur le livre, on n'a pas grand chose de. Bref. Seulement j'ai dit du papier. Et du charbon. Allez, on va se mettre là. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je peux me délester d'un bâtiment qui ne m'est pas forcément utile?
En vrai, je vais me délester d'un. D'un bûcheron. Parce que du bois, j'en produis beaucoup trop. Voilà, c'est ridicule et puis c'est pas rentable. Alors, hop, je disais ici, hein, je crois. Mes livres. Non, c'est pas là, c'était là. Ouais, là. Hop. Ok. Question rentabilité, le livre. 5K, 5K unités. Et en vente, le livre. Bah écoutez, c'était bien sympa comme histoire, mais non. On va faire 4, hein, désactiver, et puis on va passer encore à autre chose. On a l'école pour faire de la science et les radars. Radar. Ça va un peu loin ici, non? Radar, ça demande quoi? Aluminium, semi-conducteur et pile. En vrai, ici. J'ai encore oublié. Donc, je disais radar. Ah, ça c'est rentable. Et c'est même plus rentable que l'artillerie. Donc, bah justement, on va couper l'artillerie. Ce qui signifie qu'on va couper. Ah non, de la dynamite, j'en exporte. De la dynamite, j'en exporte. On va exporter des radars. Ouais, parce que de toute façon, voilà. Il faudrait combien? 11 billions pour, ouais, pour avoir un automatisme de plus. Et donc, radar, je disais, hop, et ben, hop, x 10. Justement, on me demande du radar. Pour 1 billion. Bah pour 1 billion, j'ai presque envie de dire, arrête d'exporter temporairement. Hein. On va vider du stock en. On va vider du stock en artillerie. Hein, parce que. Bon, j'ai 18K. C'est pas ça qui va. Ok. Fiche. Bon, l'acier c'est toujours une galère, hein. Ça c'est pas un secret. La dynamite ça va en vrai. Le charbon est un enfer. Le pétrole ça va mieux. L'aluminium aussi. Le fer. Donc charbon et fer sont des soucis. Oh! Le bois. Alors ça m'emmerde.
Après, j'ai du stock ici, hein, de bois. Hein, j'ai encore 7 millions de bois dans cet entrepôt. Après, c'est normal. Hein, est-ce que je... Ma batterie, par exemple, ça sert plus à rien que je l'utilise. Je vois encore de la guitare. Hein. Radar, je disais, j'ai regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé hein, le radar en. Ok, donc c'est pas rentable de toute façon de le vendre. Est-ce que ça suffit à combler mon manque en charbon? Visiblement non. Quoique, c'est déjà mieux, on va dire. À voir s'il y a une forte demande qui suit derrière. Mais il semblerait bien. Pour le moment, je produis plus de charbon que je n'en consomme. Bon, le problème du charbon est résolu. Maintenant, le problème du fer. Ça a l'air d'aller mieux. Oui, ces musées conducteurs, c'est parce que ça faisait partie de ma demande. Les armes à feu étaient constants, gaz naturel c'est bon, le fer sur l'augmentation. J'ai des soucis de bois. Alors là, si on m'avait dit à un moment que j'aurais des soucis de bois, j'aurais pas cru. Celui-là. Hop. Vu
que de toute façon je suis entre guillemets, je suis bon partout. Tout ce qu'on peut le vendre, on le vend, hein. C'est chiant ces 10 secondes entre deux transactions là. Ouais, non. Charbon, c'est non. Les livres à 6K parce que j'en ai pas beaucoup quoi et puis j'en produis plus résultat mais en vrai les livres peuvent être rentables en vrai je pourrais essayer de tout produire et après vendre au fur et à mesure hein. Ça serait mieux mais bon on va laisser comme ça. Parce qu'après, c'est un gros équilibrage des ressources qu'il faut faire. Et c'est assez répétitif en vrai. Donc. Est-ce que mon bois. C'est toujours pas résolu? Ouais. Suis débile. Les planches. En vrai, je m'en tape. Qu'est-ce qui me consomme des planches? Si, les guitares. Et en vrai, j'ai pas besoin d'autant. Comptez qu'en plus, je dois avoir un stock. J'ai un stock conséquent en planche, ouais, 2 millions, bon, c'est pas ouf non plus, mais... En vrai, j'en coupe une autre. Ah, je deviens quand même un peu plus dans la sauce au niveau planche là. En vrai, c'est pas un souci, j'ai 12 millions de planches en stock. Qu'est-ce que. Bah voilà, je m'en fiche, je peux. Et le bois, pareil, j'ai 6 millions. Hein. Là, je suis en train de chipoter hein, parce que j'ai du stock, donc c'est pas trop. C'est parce que c'est sur le long terme quoi que ça peut poser problème, mais en vrai. En vrai, on s'en tape. Bon, bâtiment suivant.
Il nous faut des points de recherche. Excusez-moi. Bon, lui, on va le faire, c'est juste pour le... Voilà, histoire que... Voilà, hein, que ce soit... L'école, c'est pour la science. L'usine de chars de combat, il nous faut l'artillerie. Donc on va juste produire... Pour pouvoir faire ce truc-là. Donc dire artillerie. Ça va, il nous faut 20 corps, on a... Après, il y a de l'internet, hein, il me semble. Après, parce qu'on a débloqué la fibre. Usine de missiles. Industry Zone. Non, Industry Zone n'est pas intéressante. Il y a le chantier naval. Après, là, on est en train de partir sur tout ce qui est militaire. Hein, résultat. Excusez-moi si vous entendez la tondeuse du voisin. Bon. Usine de char. Char de combat. Alors qu'est-ce qu'il me faut? D'accord. Donc il me faut des moteurs de... Oh la vache, la quantité d'acier qu'il faut. Du plastique, de l'artillerie évidemment, de l'aluminium, du charbon. Alors j'espère que ça vaut le coup. Et il me faut un bâtiment. Quoique non, je peux le faire comme ça en grillant mon billon. Ah ouais, évidemment, hein. Et donc je peux couper ma mode. D'ailleurs, la mode c'est con, mais je peux pas en vendre. De la mode, tout le monde s'en fout. Je l'ai pas, même pas dans la liste. Donc, est-ce qu'éventuellement, moi, je peux en vendre? Oui. La mode. Hop. Bon, pas énorme, mais ouais, allez, on va partir sur du 7K. Mince. Voilà, 7K unité. Et je peux en vendre 600K, donc un peu moins. Allez, hop, il y a 4 billions. Ah,
Voilà, c'est celui qui veut de la mode, il en a. Ouais, résultat, faut que j'augmente ma prod. Ah. Juste que ça arrive. Oh, super, 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 super. Bah écoutez, je sais pas. Ouais, non, pour 3 billions, non, non, on va pas faire ça. Faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de cet argent. Faut l'investir, correctement. Excusez-moi. Hop. Acier. Donc. Ah non, de toute façon, il me manquait des. D'accord, ok. Il me manquait de toute façon des. Il manque de toute façon des points de recherche pour pouvoir débloquer ce qu'il me faut. Donc voilà. Bon, j'ai acheté un peu d'acier pour pouvoir relancer de la production parce que ça peine beaucoup trop. Sur le marché de l'acier. Non, ouais, allez, oui, ça. Ah, c'est pas énorme, mais oui, allez, vas-y. Hop. Est-ce qu'en offre plastique? J'ai des soucis d'aluminium. Surtout que ça augmente pas de ouf en fait.